Toi. Oui, c'est moi encore. Je remarque que je te vois plus encore, donc je suis venu te saluer. Est-ce que tu vas bien? Tu sais que c'est la limite de harcèlement, n'est-ce pas? Une personne normale va considérer tout, peut laisser tout tomber. Mais tu as quoi? Qu'est-ce Excuse-moi, qui te prend? Excuse-moi, enfant. Tu ne peux pas venir chez moi et me parler ainsi. Je ne veux pas prendre ça. Va jouer avec des jouets et tout ce que tu veux faire. Je ne suis pas intéressée. Bien, désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui me prend. Mais pourquoi tu fermes la porte et tu t'en vas? Je t'aime. Vraiment, je t'aime. Je sais que tu ne peux pas comprendre, mais je vais te faire comprendre. Mm-hmm. Normalement, ça doit être réciproque. Mais moi, je ne suis pas intéressée. Je suis sûr que vous pensez que quelque chose passe ici. Je vais recommencer. Comment ça s'était commencé? Mon nom est Isaya. Je suis un exemple de personne qui vient d'arriver. Et cette personne, c'est Ashley. Ou Madame Ashley. George, parle-moi. Non, 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 la réunion était pour 10 heures. Oh, bon, George. Pourquoi vous faites ça? C'est comme si on avance et puis on recule. Je comprends. Et c'est quand la prochaine réunion? Et tu es sûr que tu ne vas pas annuler? Bon, d'accord. Pas de problème. Nicole? Et c'est un go. Je sais pas pourquoi il ne décroche pas. Pourquoi? Ah, maman, la ligne est toujours occupée. Oh, c'est quel genre de problème est cela? Hein? Essaie. Et continue d'essayer. Hey! Ah! Maman! Oh, mon fils est de retour! Oui! Bienvenue! Mina, c'est toi ça? C'est très bon, mon frère! Quoi? Tu m'as beaucoup manqué. Tu es tellement grande maintenant. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que s'est passé? Maman. Pourquoi le chauffeur n'a pas décroché? On vous appelait. Nous étions très très soucis. C'est moi. Je lui ai dit de ne pas venir me prendre. Ah. Je vais vous faire une surprise. Ma famille. Maman, tu as préparé pour moi? J'espère que tu as faim parce que je t'ai préparé au fin salat. Au fin salat. Oui. Ah, maman, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Oh, d'accord. Merci, mon chéri. Hé, dis-moi, comment était ton voyage? Oh, attendez les enfants. Attendez! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux me le donner? Mena va me donner. Regarde, ça c'est très vieil, franchement. Fraîchement, c'est très vieil. C'est l'aide de le laisser. C'est la cinquième chose que je t'ai donnée aujourd'hui. Et donc, pourquoi j'ai un grand frère si tu ne peux prendre soin de moi? Tu es très phénomène. Je sais. Et alors, on va regarder ce que tu as. Donc, tu vas prendre la moitié de ce qui est là-bas. Si tu nous connais très bien, pourquoi tu n'as pas m'acheté une grande valise? Et je t'ai acheté un sac. Ouais, je l'adore et l'apprécie très bien, mais on a besoin d'en mettre quelque chose. Oh Dieu, tu as une affaire maintenant. Je sais. Arrête maintenant. Ah.
c'est pas comme si je fais des soucis pour Sandra. Qu'est-ce qui regarde un camion avec une bicyclette? Cette bicyclette doit bien faire attention. Et maintenant, tu appelles Sarah un objet. Eh bien oui. Regarde, cette fille est rien devant moi. Je vais l'écraser comme du pain gâté. Devine quoi? Tu dois comprendre la situation d'abord, avant d'arriver prématurément à une conclusion. Parce que tu n'as pas encore entendu les deux parties. Oh, je vois. Sandra est ton amie maintenant. Non. Tu la préfères? Tu as 7 heures. C'est pas vrai. Oh, s'il te plaît. Tu la préfères toujours. Elle est ton amie. N'est-ce pas? Ton amie, ton amie. C'est ce que j'ai dit. C'est, il faut comprendre des situations. Essaye d'entendre les deux côtés. Alors que tu ne deviendras... Tu sais tu veux m'insulter maintenant, n'est-ce pas? Chérie, calme-toi. Alors, laisse-moi aller informer. Bon, d'accord. Et... apporte-moi à boire. J'ai soif. Non, frère. Je suis là, ça fait 2 jours. Non. Non. J'étais dedans, frère. J'ai amené du chocolat et des choses comme ça. Oui, rentrez. Faut m'envoyer l'adresse. On va parler après. Oui, pas de problème. Comment? Salut. Coco est en bas. Elle veut te saluer. Quel coco? Chloé? Oui, oui. Comment elle sache que j'étais là? Oh, maintenant, est-ce que tu l'as dit? Oui, je lui ai dit. Ah, maintenant, tu vas dire à tout le monde que je suis là. Le monde entier, elle est mon amie et elle demande tout le temps de tes nouvelles. Tu t'attends à ce que je monte? Quel est ton problème? Elle est où? Elle est en bas. Elle est très excitée de te voir. D'accord, j'arrive. D'accord, frère. Coco. Oh mon Dieu! Oh, tu m'as beaucoup manqué! Tu es vraiment de retour! Oh, bienvenue! Tu sais, oui, ça fait longtemps qu'on était ensemble. Tu m'as oublié. Ah, Coco, je dois aller à l'école. Et apparemment, on n'a pas de portable aux États-Unis. Regarde, j'ai des amis qui voyagent et ils me contactent. Mais toi, tu m'as tout oublié. Et tu ne réponds pas à mes messages. Tu m'as tout littéralement oublié dès que tu es arrivé là-bas. Coco le blagueur. Tu sais, c'est pas comme ça. C'est que les temps sont différents. Le décalage horaire. Mais si je veux appeler, ça fait la nuit ici. Et qui se plaint? Je prends les appels à minuit. Oh, regarde, toutes ces raisons, ça ne suffisent pas. Je suis fâchée. Je suis littéralement fâchée contre toi. La seule chose que je veux, c'est si on sort ensemble. D'accord. Tu veux aller où? C'est ça que je vais entendre. Oh, tu m'as manqué. Dis-moi, raconte-moi tout. C'était comment là-bas? Ça va. Salut, chérie. J'ai regardé quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que tu as vu? Tu me connais. Normalement, tu sais, je n'ai pas de ma affaire. Chérie, qu'est-ce que tu as vu? La dernière fois qu'on a parlé, tu as dit que frère est à Abuja, n'est-ce pas? Oui. Il a voyagé pour un travail. Pourquoi? Écoute, je viens de le voir sortant d'un hôtel avec une autre fille. J'y avais ma présentation. Ah non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Il est à Abuja. Non, chérie. Peut-être, c'est-tu une réunion de travail? Ouais, j'en ai voulu croire. Et je conclure que j'étais aveugle. Et j'ai juste entendu sa voix. Quand même, j'ai pris une photo de les deux. Je l'ai envoyée vers WhatsApp. Donc, c'est à toi de conclure si c'est les affaires ou pas. Je suis très désolée. Je déteste faire ce genre de... Quel bâtard! Fred, et comment va ta réunion de travail? Bien, je viens même de finir de parler avec Mo. Il aime tellement mon idée. Tu es toujours à Abuja? Bien sûr. Fred, c'est Dieu qui va te punir pour moi. Est-ce que tu blagues? Tu es à Ikeja avec une fille et tu me dis que tu es à Abuja? Tu parles de quoi? Je sais que tu n'as pas quitté la ville. Pourquoi tu mens? Tu m'as dit que la dernière fois était la dernière fois. Pourquoi tu fais ça toujours? Ashley, c'est pas ça. Comment oses-tu? Fred, comment oses-tu?
tu as dit que la dernière fois était la dernière fois. Mais tu fais ça encore et encore. Peut-être ces menteurs ont vu quelqu'un qui me ressemble. Tu crois que je suis stupide, n'est-ce pas? Non, je suis folle. Parce que qu'est-ce que je fais avec toi? Je ne suis pas en train de mentir. Je suis à Abuja. J'ai des photos. Quoi? Fred, tu sais quoi? Si tu veux coucher avec la moitié de Lagos, c'est bon. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Ah, te voilà. Bienvenue. Comment était l'événement? Ah, waouh. C'était incroyable. Devine qui j'ai rencontré là-bas. Qui? J'ai rencontré Ejiro. Tu te rappelles d'Ejiro? C'est le fils de mon ami Augusta. Oh oui, je me souviens. Il travaille maintenant à Chevron. Waouh, c'est bon ça. Ils ont parlé de toi à la fête. Toi et Ejiro, vous allez parler de moi? Oh non. C'était juste sa mère et moi. Et il m'a dit qu'une amie de la famille l'a connecté pour travailler à Chevron. Oui, mais c'est comme ça que tu vas voir ce travail. Ce qui me rappelle. Dis-moi, tu es de retour et tu as ton certificat. C'est quoi tes projets? Je ne suis pas intéressant, non. Oh, attends. Parle-moi. Maman, non, ce n'est pas présentable. Mais c'est nécessaire. C'est quoi tes projets, mon fils? Est-ce que tu as rédigé ton CV? Okay. Est-ce que tu as rédigé son CV? Tu sais que j'étais un mannequin en Amérique. Maintenant, il y a des opportunités pour nous au Nigeria. La mode. Qui fait ça aujourd'hui? Maman, ça paye tellement. Hein? Où? Comment? Hein? Regarde. L'argent de Chevron, c'est le vrai argent. Tu te rappelles de Tokwe, non? Elle est un mannequin. Et jusqu'à maintenant, c'est sa mère qui paye pour le transport à l'église pour maman, elle. Maman, Tokwe n'est pas professionnel. Le mannequin. C'est quoi ça? Hein? Regarde, mon fils. Prends ton CV. Ton oncle Félix, il va te contacter. Tu sais qu'il connaît toutes ses compagnies partout. Hein? Quand il t'appelle, tu décroches. Maman. Je sais qu'il va faire ça. Tu vas travailler dans une grande compagnie. Il y a de la nourriture dans la cuisine pour toi. Hein? D'accord. Non, Fred, je ne fais plus ça. Je ne fais plus. Chérie, je sais que j'ai pas bien fait. Je suis désolée. C'est pas ça. C'est comme ça que tu te conduis. Tu fais ça toujours. Et je ne sais pas pourquoi je te crois même. Parce que maintenant je suis changée. Mais il faut comprendre. Tu sais combien de réunions j'ai laissées pour venir ici? Chérie, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je suis changée. D'accord, maintenant, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Tu veux qu'on va pour les couples annulants ou thérapie? Juste donne-moi une autre opportunité. Je vais changer. Pour t'assurer que je suis tellement désolé. Tu sais que tu voulais 14. C'est ça. Tellement. Je veux que tu sois toujours joyeuse pour moi. Va au diable. Ah. Tu voulais toujours iPhone 14. Ça doit te faire plaisir pour l'avoir maintenant. Tu sais ce que je veux? La fidélité. La loyauté. Un homme fidèle. Et toi, tu n'es pas ça. Mais je peux le faire. Donne-moi une autre chance. Je te promets. Ça, c'est la 5e fois que tu me fais cette promesse. Et je te crois toujours. Et tu reviens encore et encore. Parce que moi, je te crois. Maintenant, je te promets sincèrement. Juste donne-moi une autre chance. Fred, c'est fini. Et je suis sérieux cette fois-ci. Et supprime mon numéro. Chérie. Mais
prendre le portable. Bonjour. Je m'appelle Saya. Je suis nouveau dans le village et mes familles habitent ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux les connaître. Je veux juste te saluer, mais tu sais. D'accord. Tu as quel âge? Tu ne dois pas t'inquiéter de ça. J'aime connaître mes amis. D'accord. J'avais 2 ans et je serai 23 bientôt. On vient de 2 générations différentes, donc, jeune homme. L'amitié peut venir de n'importe où. Regarde, je suis occupée, d'accord? Donc, va-t'en et va jouer avec tes zigots. Oh. D'accord. Allez. Donc, tu ne la connais pas? Non, je ne la connais pas. Même pas son nom? Non. Oh, c'est très simple. À trouver. C'est pas possible. Toi qui connais tout le monde, tu ne connais pas la fille là? Eh bien, je l'ai vue des fois, mais on ne se cause pas. C'est quoi votre problème avec la différence d'âge? Je veux juste être son ami. Amical, avec quelqu'un âgé que toi? Est-ce que tu as des problèmes avec ça? Non. En Amérique, c'est normal. C'est bien bon. Comme tu l'as dit, c'était aux États-Unis. Nous sommes ici au Nigeria. Mais non. Allez, faut m'aider. Faut essayer pour faire ce que tu peux pour moi. Frère, prends mon conseil. Prends mon conseil. C'est quoi ton conseil? Reste à ton ligne. C'est quoi mon ligne? Ton âge limite, bien sûr. Maintenant, je vois. Toi, si tu fais comme tu n'es pas civilisé. Maintenant, s'il te plaît, faut m'aider. Frère, prends mon conseil. Il te sevrait d'une crêpe brisée. Maintenant, est-ce que c'est toi? Coucou, qu'est-ce que tu fais ici? Salut! Je suis venue te voir. Qu'est-ce que tu fais? Je peux te joindre? Oh, je suis en train de jouer. Il m'a vu? Où? Tu sais, te voir. Tu es de retour. Je pense que j'étais claire la dernière fois. Oui, mais tu m'as manqué. Je t'ai pas manqué? D'accord. Tu sais qu'on a... On a mis pause à notre relation quand tu as voyagé, mais maintenant que tu es de retour, on peut... Pause? Non, la dernière fois, notre relation était finie. Pas selon moi. J'ai des sentiments pour toi, Ishaya. Hmm? Est-ce qu'on peut recommencer? Toi et moi? Je vois ce que tu veux faire. Tu veux que je te chasse? Ne dis pas que tu n'as pas pensé à moi. Actuellement, je suis occupé avec autre chose. Je vais avoir du travail et concentrer sur mon travail de mannequin, pas des relations avec toi. Et maintenant que je te parle? Je ne suis pas intéressant. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne veux plus. Je veux être concentré sur mon carrière, mon futur. Et moi alors? On peut être des amis. Tu es drôle. Hey, c'est moi encore. Comment ça va? Je suis Shaya. On est rencontrés quand oui, on était... Oui, je te reconnais, mais je me demande pourquoi tu me parles. Regarde, je parle avec toi parce que tu es très belle. Tu es très précieuse. Mais je peux et être... tu veux être ami? Ouais. Je vais répéter pour la dernière fois. Laisse-moi tranquille. Ah, allez. Je veux juste avoir ton attention. D'accord. Comme tu es si désespéré, tu peux laver ma voiture.
Je vais te payer pour ça. Tu es sûr? Et comment ça pour une relation? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais pas ce que tu es en train de m'échapper. On peut être des bons amis. Je vais pas t'attendre ici. Et mon gars, j'ai envie de manger le pizza pour le dîner. Maman va rentrer tard. Tu ne penses pas que c'est une opportunité pour nous de... Pour faire quoi? Pour manger des ordures? Mm-hmm. Moi, je vais préparer des nourritures. Bien. Si tu veux manger un repas domestique, tu veux aller le cuisiner. Ou comment juste comme moi. Quand tu es là? Écoute, c'est pas à moi de cuisiner aujourd'hui. Je ne suis pas ici. Hein. Je n'ai rien à faire aujourd'hui. Mais devine quoi? Ta dame mystérieuse s'appelle Ashley et elle a un petit ami. Non? Elle n'a pas. La personne qui m'a informée a clairement constaté qu'elle a un petit ami et ils sont les amis. Donc, elle appartient à un autre. Si elle a un, je vais le voir maintenant. Et même, elle peut me dire si c'est la vérité. Oh, vous êtes ensemble maintenant? Oui, avant? Elle a accepté? Pas encore, mais je vais le faire. Ouais, je vais aller courir. Le jogging? Tu l'as déjà fait ce matin. Donc, mais je peux courir n'importe quand je veux. Bien sûr. Parce que si tu n'es pas obligé à curer, c'est pas la peine. Je veux que tu veux voir ta dame mystérieuse. Au revoir, à bientôt. Mmh. Il faut bien réfléchir. Hein. N'importe quoi. Sois alerte. Oui, c'est moi encore. Ça fait longtemps que je t'ai vu, donc je suis là pour te saluer. Est-ce que tu vas bien? Tu sais que c'est la limite du harcèlement, n'est-ce pas? Une personne normale va considérer tout ça. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as quoi? Excuse-moi, petit. Tu ne peux pas venir chez moi et vous parler comme ça. Je ne vais pas prendre ça. J'ai des trucs à faire. Je suis occupée. D'accord, d'accord. Je suis tellement désolée. Pourquoi tu me traites comme ça? C'est pas bon, hein? Tu fermes la porte et tu t'en vas n'importe comment. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je sais que tu peux pas comprendre, mais je t'aime tellement. Mm-hmm. Normalement, ça doit être réciproque, mais je ne suis pas intéressée. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'ai encore la clé que tu m'as donnée. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je peux pas vivre sans toi. Fred, tu as fait ton lit. Chérie, je suis désolée.
Et maintenant, je suis tellement sûr. Et maintenant, je suis très sûr. Je ne suis pas ici pour te donner n'importe quelle excuse. Je suis sûr. Je t'ai trahi. Et je suis ici pour que tu me pardonnes. Fred, j'essaie de t'oublier. Et je suis en train d'essayer pour toi. Mais il faut comprendre. Ma nuit était tellement longue. Je suis tellement désespéré. Je ne peux pas te remplacer. Même si tu es une jumelle, je vais toujours te choisir. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. C'est ce que tu vas dire maintenant. Et après quelques mois, tu vas commencer. Je dirai toujours que je t'aime. Je ne peux pas arrêter de t'aimer. Je vais toujours t'aimer. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Ash. Tu es ma présent et ma future. Et qui sait que tu seras la mère de mes enfants. Juste donne-moi une autre chance. Tu penses à quoi? Tu sais que tu es toujours Mauritius. Je pense que on va aller à la vacances. Tu sais, conduire des bateaux et tout ça. Conduire les chevaux. Et mais le cheval n'est pas la seule chose que tu vas conduire. Hein? Mon bébé, et nous faisons ça le jour de ton anniversaire? Bébé, et tu oublies toujours mon anniversaire. C'était dans le passé. C'est donc que tu vois, est un nouveau tatoué lacrymal. Le 7 octobre, je l'ai tatoué dans mon cœur. L'anniversaire de mon bébé. Bébé, puis-je en avoir? Est-ce que je peux avoir... Allons, tu veux quoi? Allons. Hey. J'ai entendu que tu es obsédé par une vieille femme. Quoi? Oui, tu la poursuis et tu la chasses partout dans la ville. Et moi, je suis là pour toi. Tu veux qu'on parle de ça maintenant? Tu es embarrassée? Donc pense à moi, comment je dois sentir? Mais n'importe ce que je fais n'est pas ton problème. Mais tu as quoi? Et maintenant, pourquoi tu es en train d'annoncer mon nom pour tout le monde? C'est quoi? Eh bien, elle s'extasie sur toi et elle est une amie. Laisse-moi avec mon affaire, c'est ce que je veux que tu fasses. Fred, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que tu allais me chercher à 16h. Maintenant, c'est 20h et tu n'es pas là. Et tu ne réponds pas à mes messages. Tu ne décroches pas. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Je t'attends. Entre. Finalement. Entre. Salut. Tu n'es pas Fred. Non, je suis pas. Oui, maintenant je vois pas ce que tu m'as fait rentrer. C'est une surprise. Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour te dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à moi. Je l'ai vu à Instagram que aujourd'hui c'est ton anniversaire. Donc je suis là pour te dire joyeux anniversaire. Merci. Tu es si beau. Tu es tellement belle. Tu sors pour une fête ou quoi? C'était ça le plan. Mais on m'a posé un lapin. Oh. Je suis désolé pour ça.
j'ai recommencé ma vie, j'allais très bien. Mais il est revenu et je suis là où j'étais. Je comprends pas. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est bon. Je vais bien. Je vais bien. Je vais pas parler de ça. Je veux être seule. Je pense pas que c'est une bonne idée. C'est ton anniversaire. Tu dois pas être seule. Oui, n'est-ce pas? Je sais. J'ai un cadeau pour toi. Vraiment? Je pense que tu l'aimes. Oh. Merci. De rien. Tu es si mignon. Et tu as le rouge à lèvres sur les lèvres. Je pense que tu dois aller au lit maintenant. Ne me prends pas au non. lit. Je vais bien. Pas maintenant. Je pense que tu sais pas non. ce que tu es en train de dire. Allez, on y va, doucement. Je veux des bisous. On fera ça je après. Je le veux maintenant. Tu dois te dormir maintenant. Je veux aller dans une fête. Je veux fêter. On fera ça demain. Mon gars, je ne crois pas que tu es juste si pensée de demoiselle H. Mais non, pardon, laisse-moi tranquille. D'accord. Normalement, tu es toujours gay. Tu ne comptes pas les choses que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu es très embarrassée. D'accord, frère. Tu es toujours fâchée avec le truc, avec Loulou. Oh, et la voilà. Bonjour. Salut. Est-ce que tu aimes ton cadeau? Oui, j'ai aimé le cadeau. D'accord. Je veux savoir pourquoi tu étais ivre le jour de ton anniversaire. Je n'étais pas ivre le jour de mon anniversaire. Oui, j'ai bu un peu, mais je n'étais pas ivre. Oh oui, je pense Est-ce que tu peux arrêter à faire ça? J'aime pas que tu me chasses. Pourquoi? Comment tu veux qu'on soit des amis qu'on ne peut pas parler? Parce que je suis occupée. Je sais que tu étais de m'inviter. Regarde, petit, laisse-moi tranquille. Je suis vraiment occupée, j'ai trop de choses à faire. Petite, arrête de faire comme une petite. Je sais que tu es en train de m'éviter parce que du bisou. Vous avez fait quoi? Raconte-moi l'histoire. Est-ce que tu veux un haut-parleur pour que tu peux annoncer ça à tout le monde? Regarde, je suis désolée. Je ne vais pas te s'embarrasser. Pourquoi veux-tu qu'on soit des amis si on ne peut pas parler? Tu ne comprends pas. Donc, je vais t'expliquer ça petit par petit. Pardon, ça suffit. Je sais que tu es grande plus que moi, je le sais. Frère, dis-moi, comment il s'est passé? Cause-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que êtes-vous un couple maintenant? Elle a accepté? Elle est ta petite amie? Raconte-moi! Maintenant, laisse-moi tranquille. Je veux mon espace. Seule dans cette maison? Rien comme ça. Rien comme la solitude dans cette maison. Qui a initié un bisou? Les bises? Qui a fait un bisou à qui? Dis-moi les gars, qu'est-ce que se passe? Oh, je vois. Tu reçois l'attention de la femme. C'est bon. Félicitations, Ishaya.
Est-ce que tu savais que au moment où elle quittait l'université, tu étais peut-être à l'école primaire? Tu ne sais pas ça. Eh bien, c'est possible parce que tu es jeune. J'ai entendu qu'elle est dans ses trentaines, dans ses quarantaines, vers la ménopause, quelque chose comme ça. Elle est juste 35 et moi je m'en fous. Oh, c'est bon! Donc tu veux être quelqu'un de l'âge de ta maman? Chloé, c'est quoi ton problème? C'est pas ton affaire. Tu dois être fier de toi-même. Je suis tellement. Oh. Calme-toi, c'est sa perte quand même. J'ai besoin du vin. Bien sûr. Dis-moi, comment était la sensation de baiser les lèvres d'un type de 22 ans? Ne sois pas ridiculeuse. Je veux juste prendre des nouvelles. Une fille veut savoir. Quand tu baises un 22 ans, tu dois me causer. Je ne peux même pas me rappeler de ce qui s'est passé. J'étais ivre. J'ai tout oublié. Attends. Il t'a touché improprement? Non, il n'a pas fait ça. Je crois que c'était moi qui a même initié ça. D'accord. Je me rappelle. C'était un jeu triste pour moi. Il m'a posé un lapin. Le pire d'être humain. T'as déçu? Ça va devenir son nom dès maintenant. Parce que j'ai gaspillé tout mon temps avec Fred. Je te préviens, mais tu n'as pas m'écouté. Je croyais qu'il allait changer. À quoi? Une chèvre. Les chèvres se comportent comme ça, c'est juste. Laisse le chèvre dans le coin. Jemma, merci d'être venue. Ce jour-là était vraiment triste pour moi. Tout était terrible pour mon anniversaire. Avant que ce garçon-là n'est venu et il a fait tout. Vraiment? Et il m'a apporté un cadeau. Oh. Après la bise. Ce jour-là, j'ai fait beaucoup de mauvais choix. Avec des plans avec Fred et... Et puis, il m'a posé un lapin et j'ai fini par baiser un petit. Eh bien, t'as envie de dire que c'est un événement unique? Oui! T'es sûre? Oui! Sans blague. D'accord. Ne tombe pas amoureuse avec l'enfant de ta voisine. Et Jemma, hein? Ne t'inquiète pas. Ah! Laisse tomber, hein? Comment ça va? Comme si, comme ça. Hey. Donc tu me parles maintenant? Allez. Non, écoute. Tu sais que j'ai des sentiments pour toi et tu me fais sentir terrible. Ah, c'est pas comme ça, c'est que... Donc c'est comment? Hein? Ah, coucou. Non, ne dis pas ça. Ah, je suis littéralement ici et tu chasses quelqu'un qui n'a pas de sentiments pour toi. C'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Parce que je sens pas bien. Est-ce que tu sais à quel point j'ai des sentiments pour toi? Pourquoi tu parles comme ça? Et tu es là, en train de chasser une femme qui n'a pas de sentiments pour toi. Donc, tu veux qu'on le fasse comme ça? Allez, coucou, tu dois pas parler comme ça. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Sweet. Merci d'être venu. De rien. Oh. Attends. Ah, rien. Ça, c'est lui? Waouh. Est-ce que tu peux arrêter de faire ça? C'est irritant, arrête. Attends. Qui est avec lui? Je ne sais pas. J'aimerais te croire, mais je te connais aussi bien. Wow. Donc, va-t'en. Menteuse.
sais que tu dois arrêter de faire cela, n'est-ce pas? Parce que c'est pas bon. Pourquoi? Ça devient mon habitude. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête, je veux juste avoir une conversation avec toi. Je suis là pour te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? La bande dans notre maison ne travaille pas. Et alors? Je comprends pas. Est-ce que c'est ça mon travail? Calme-toi. Je suis là pour te saluer. C'est pas si je suis là pour faire quelque chose de mal. Donc, tu veux m'aider à puiser de l'eau? Ok, d'accord. Tu m'as attrapé. Je suis là pour te parler. Tu es toujours dans ma tête chaque fois. Tu n'es pas fatigué? Tu dois arrêter de faire ça. Va pour quelqu'un de ton âge. Comme la fille avec qui tu étais ce matin? Quoi? Quelle fille? Oh, c'est Coco. C'est le nom d'un oiseau? Regarde, Coco, je dis Chloru, elle est juste mon amie. Et même, on n'est pas ensemble. Arrête. Est-ce que tu es jalouse? Quoi? Je ne joue pas cette jeu avec toi. Tu m'aimes. Tu n'es pas sérieux. Et tu as une très belle sourire. D'accord, c'est bon de parler avec toi. On va demain. C'est quoi avec ton frère et cette vieille femme? Mon Dieu! Je n'ai jamais senti ainsi pour un garçon. Eh bien, à ce point-là, je pense que Shaya est vraiment obsédée par Madame Voisin. Eww, pourquoi? Je sais pas. Elle n'a même pas de sentiments pour lui. Mais t'inquiète. Et je ne sais plus quoi faire. Tu sais que Shaya va retourner à toi à la fin. Écoute, il ne va pas me trouver ici la prochaine fois qu'il va revenir. Parce que je ne suis pas là pour attendre quelqu'un. Dis-lui. Ouais, ouais. Je t'entends. Salut, chérie. Chérie, est-ce que tu es sérieux? Chérie, je sais que tu es bouleversée, mais tu dois me demander qu'est-ce qui s'est passé. Que je devine. Un tremblement de terre s'est survenu à ton bureau ou bien une tornade est venue arracher ton portable? Que je shoote et je vole et c'est là parce que tu es vivant? Chérie, je sais que tu es bouleversée, mais je suis tellement désolée. Frère, s'il te plaît, ce que tu fais maintenant... Tous les mensonges que tu as, je les connais tous. Je suis sûre que quand tu es avec tes amis, tu dis que « Ah, Ashley, elle ne va jamais me quitter. Je la connais très bien. » Non, chérie, je ne peux pas dire ça. Regarde, tout le monde sait que je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Regarde, regarde, mais j'étais kidnappée. Ils ont volé mon portable, mais oui, je ne peux pas... Ah, mon Dieu. Appeler mes parents, mais rien. Ma vie était très mal. Je suis encore ici. Parce que je t'aime encore. Fred. Chérie, ne me touche pas. Désolé. N'essaie pas. Excuse-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Regarde ce que tu fais. Faut te rappeler des moments. Laisse-moi tranquille. Toutes les choses que tu m'as fait. Chérie, excuse-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis désolé. Faut la laisser tranquille. Gare, c'est pas ton affaire. D'accord? Faut t'en aller, d'accord? Laisse-la tranquille maintenant. Je ne veux pas lui dire ça encore. Ou quoi? Non, qu'est-ce qui va se passer? Ah, tu te portes bien? Oui, je vais bien. Tu es sûr que tu te portes bien? Ash? Regarde, regarde. Je vais te dire ça une seule fois. Arrête de parler avec ma copine, d'accord? Et va-t'en! Elle n'est pas ta copine? Et même un fou peut voir ça, parce qu'ils ont des yeux. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu es fou? Non, tu as quoi? Arrête. Donc c'est à cause de ce petit garçon que tu es en train de me traiter comme ça? Je peux pas croire ça. Non, tu es malade. Pourquoi tu as fait ça? Je ne peux pas croire que c'est à cause de ce petit garçon qui est en train de voir des dessins animés que tu es en train de me traiter mal. Tu es en train de me traiter mal. Moi, Fred. Ah, tu ne peux pas croire, hein? Je ne crois pas.
Je suis désespéré. Tu es très ridicule. C'est toi qui es ridiculeux. Dégage-toi d'ici. Et Bécassil. Je suis désolée. T'inquiète pas. C'est une plaisanterie. Je vais le faire chaque fois et chaque jour. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Fred, il n'est pas quelqu'un de bien. Pire que Mbekasil, c'est lui. Et tu es encore avec lui? Mais je vous ai vu le trois quereller dans la rue. Pourquoi tu ne te l'as pas quitté? Je ne sais pas. Je croyais qu'il allait changer. Il n'était pas mauvais au début. Il était bon. Il m'aidait avec des contrats. Il me donnait des conseils. Et il m'a beaucoup aidé avec le marketing quand j'ai commencé mon affaire. Mais tu ne peux pas le changer. Peut-être je croyais que la bonne partie de lui va être plus que les mauvais. Je suis désolé. Alors, tu fais quoi comme travail? Je suis consultante de marque et responsable du marketing. Et toi? Je travaille dans l'usine de mon oncle et il est en train d'essayer de me placer quelque part. Mais je suis un mannequin. Ah bon? Oui. J'ai un show cette semaine. D'accord. Je travaille actuellement avec une marque et il veut un mannequin. Et il veut faire des publicités bientôt. Hey, je suis là. Oh ouais, je vais penser à ça. Ah, faut le faire, hein? Je vais prendre ton numéro. D'accord. Yeah. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits some loose shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me. Entre. Salut toi. Salut. Je voulais même t'appeler. Oui, tu sais, on est en train de penser de même chose. Comment?
D'accord, j'ai des nouvelles pour toi. Les clients t'ont aimé. Oh, c'est bon. Oui, et il n'y a plus de nouvelles. Tu me fais hésiter. Écoute, écoute. Il veut que tu sois la face du Marc. Quoi? Oui. Oh mon Dieu, c'est très bon ça. Est-ce que je peux t'embrasser? Je suis très content. Tu es très belle. D'accord. Et même si tu souris, tu es très belle. Est-ce qu'on peut continuer le business? T'inquiète donc, pas. Je vais leur donner ton numéro et ils vont t'appeler. Est-ce que tu as un agent, un représentatif? Oui, j'ai. Super. Donc, ils vont tout boucler pour toi. Je suis très content. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, H. Tu es très bon à ce que tu fais. Tu es très bon à ce que tu fais aussi. Ok. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et maintenant, je suis consultante de la marque aussi. Quoi? Allez, toi. Je suis très content pour toi. Merci. Ils nous ont aimés. Tu sais quoi? Ça, c'est un signe. On doit le célébrer. Est-ce qu'on peut aller pour le dîner ce soir? T'en fais pas, je vais payer. J'étais pas inquiète. Est-ce qu'on peut avoir le dîner chez moi demain? D'accord. C'est bon ça. Oui? Ouais. D'accord. Je suis très, très... Je sais plus quoi dire. Pourquoi je peux pas choisir mon habit? Rentrez. Oh, merci. Pardon, faut choisir pour moi. Que se passe-t-il? Maintenant, je sors ce soir. Faut me répondre. Bien. Comment tu veux que je te choisirai une tenue quand je ne sais pas où tu vas? Je sors pour un dîner. D'accord. Je pense que ça, c'est bon. D'accord. Oui. Tu as besoin de mon aide pour choisir tes chaussures? Mais non, va-t'en. Je suis en train de me préparer. J'espère que cette dame ne te met pas dans les crises de mode. Ok, d'accord. Entre. Salut. Salut. J'ai du vin ici avec moi. C'est ce qu'on dit, oui. Tiens. Merci. Viens avec moi, monsieur. Je pense que tu es très sérieuse. Oui. Attends. Je vais t'aider. Merci. Oh mon Dieu, c'est très délicieux. Oui. C'est ce qu'on me dit, mais je crois que je fais de mon mieux. Ton essai est comme un magique. C'est très délicieux. C'est très délicieux, je te jure. Merci. Si tu pouvais changer quoi que ce soit de la nourriture, qu'est-ce que tu ferais? Enlever? Je vais enlever le cuillère. Et je vais manger avec ma main. Tu sais que tu sais changer un dîner simple dans une nuit de riz. Je crois que le repas est doux et ça va avec le vin. Enchanté. La nuit est jeune. Est-ce que tu veux faire quelque chose après? Tu penses de quoi? Le dîner? Je ne sais pas. On peut regarder un film? J'aime ça. D'accord. C'est ce qu'on va faire. D'accord. On va regarder le film. Horreur. Le film de battre. Oui, exactement. Oui. Est-ce que tu sais que le gars là est un danseur? Est-ce que tu sais que le gars là est un danseur? Vraiment? Oui. Est-ce que tu sais danser?
Donc tu veux pas danser pour sauver ta vie, même s'ils veulent te fusiller. Oui, au point de l'âme, non. Tu veux que je danse pour toi? C'est toi qui vas danser pour sauver ma vie. D'accord. Je vais te donner quelques maquettes Jason. Tu prends ta veste. C'est très sérieux, hein? Regarde. Oh, allez, faut danser avec moi. Non. Allez. Non. Allez, viens. Non. Allez. Allez. Okay. Allez. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Tu es bon comme ça? Oui, c'est ça. Un, deux. Une autre. Un, deux. Allez, c'est ça. Et tu dis que tu peux pas danser. Je peux pas. Tu veux aller en haut? Oui. Je veux. Oh Dieu. Ash. Je dois m'en aller. D'accord. C'est qui ça? Maman, bonjour. Tu viens d'où? En entrant à la maison comme ça? Attends, attends. Tu veux dire que tu n'as pas dormi ici? Non, j'ai couché chez Michael. J'ai dit à Mena, qu'elle te dit. Oui, maman. Quand je venais t'informer, tu dormais et je ne voulais pas te déranger. Oh. C'est pour ça que tu entres comme ça dans la maison? Maman, je suis désolé. Je ne veux pas te déranger avec mon problème. Maman, bonjour. Tu es très belle ce matin. Ne fais plus ça. Ne fais jamais ça. Et toi, allons dans la cuisine. Te raconter quoi? Je n'ai rien à te dire. Bouge-toi, tu as l'air brillante. Je déteste comme tu me connais, mon Dieu. Où est-ce que je vais commencer? Merci pour le compliment. Elles vont la mèche. D'accord, on a dansé et on a regardé un film. Et quoi? Il n'y a pas de « et ». Chérie, je viens d'avoir le meilleur de ma vie. Le meilleur.
meilleur, je te jure. Il a compris mon corps, je peux même pas expliquer. Il a su ce qu'il doit faire et quand il devait faire ça. Pas du tout. Oh là là. Donc il n'était pas pressé? Il n'était pas. Il ne pensait à rien et montait. Non. Il était présent. Il était ici. Il ne pensait à rien. Tu sais. De toute manière, je sais que tu t'es bien. Oui, oui. Je suis vraiment heureuse. Alors, qu'est-ce qu'il est pour toi, vu son âge? Idioma, s'il te plaît, je sais que tu ne vas pas gâcher ce moment pour moi, je n'est-ce pas? Je veux juste confirmer que tu as bien réfléchi. Non, non, je pense à rien. Je ne veux rien penser à ce moment. Je veux être heureuse. Je crois que je mérite ça. Profitons tant que ça dure. Merci. Et quoi de neuf? Oui. Tu sais que tu me dois beaucoup, oui. Je suis surpris que tu aies fait ça, mais je vais te donner quelque chose. Donc, où as-tu dormi la veille? C'est pas ton affaire. D'accord, laisse-moi aller dire tout à maman. D'accord, attends. Tu sais, je t'ai dit que je vais sortir. Oui, avec Ashley? Oui. Où? Chez elle? Chez elle. Oh mon Dieu! Tu as quoi? Chez elle? Maintenant, faut t'en aller. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bad. Salut. Est-ce que tu t'es trompé de chemin? Donc c'est dommage que tu ne peux pas trouver un homme de ton âge et tu sors avec un garçon qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que toi. Ou beaucoup plus même. Tu es avec quelqu'un qui, au moment où tu seras à la ménopause, il sera toujours, toujours jeune. Et il chassera les jeunes filles. Trouve une vie. Au revoir. Coucou, d'où viens-tu? Quoi? Je suis sortie faire un appel. C'est quoi? Non, c'est pas vrai ça. Tu viens d'où? Bon, d'accord. Je suis allée parler à ta voisine. Tu as parlé avec ma voisine? Qu'est-ce que tu l'as dit? Je sais pas. Rien. Des petites conversations. Juste que le pas. Coco, je veux que tu saches que je vais te casser la tête si je pense que tu l'as dit quelque chose de mal. Est-ce que tu me menaces sérieusement à cause de cette femme? Ou bien tu aimes les femmes qui sont plus âgées que toi?
Coco, je t'ai dit, n'importe quelle personne je sors avec, c'est pas ton affaire. Elle est même belle plus que toi. Et non, je suis pas aveugle. Bon, on ne doit pas te parler. Je ne peux même pas te parler maintenant parce que... Oui, mais je suis allée parler à cette femme. Je lui ai dit que, autant qu'elle sera à la ménopause, tu seras toujours comme ça, aussi jaune. Et rien de sérieux ne pourrait se passer entre vous deux. Et elle doit aller chercher un homme de son âge. Coucou, tu es très stupide. C'est toi qui dois aller chercher de ta vie. En train de te forcer sur moi que je ne te veux pas, ça fait comme si tu n'as pas de travail. Attends. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir encore. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Si j'étais vraiment stupide de croire qu'on pourrait être un couple. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Et quand tu as fini avec cette femme, tu me chercheras. Et je ne serai pas là. Je veux pas que tu sois ici. Je ne veux plus revenir chez toi. Va au diable. Regarde, je vais te raconter à ta mère. Faut m'essayer. Comme tu es. Regarde-moi. Était très méchant. Et toi, reste loin de cette affaire. Si tu veux pas parler avec moi, faut me le dire. C'est à cause de mon amie. Elle t'a dit quelque chose. Regarde, je sais pas ce qu'elle t'a dit, mais je te promets, je ferai de mon mieux qu'elle ne te parle plus jamais, qu'elle ne te... H. Ami, tu devrais voir sa nouvelle boutique. Elle a des tenues modernes. On doit aller voir des vêtements américains. Sérieusement, tu dois décrocher ses appels. Tu dois parler avec lui. Tu ne peux pas laisser le bon rapport. À quoi est-ce que je pensais? Comment est-ce que j'ai pensé que ça va marcher? Je croyais qu'il y a une place pour nous. Je ne peux même pas introduire à ma famille. Il n'y a aucune place pour nous. Ce n'est pas arrivé à ce point-là. Sérieusement, les gens s'adapteront. Dans cette partie du monde, les gens vont nous accepter? Tant que tu es contente, ils n'ont pas l'option mais à s'adapter. Au fil du temps, tout ira bien. Franchement, cause avec le type. Je t'ai entendu. Cause avec lui. Hé chérie, je ne t'ai pas vue toute la journée. Tu n'as pas même mangé. Tout va bien? Viens frère. Pourquoi tu te comportes comme un petit enfant qui vient d'avoir sa cœur brisée? De toute manière, maman t'appelle. Salut maman. Bonsoir mon fils. On ne te voit pas à la maison. Tu es malade? Non. Tu vas bien? Tu vois, ton oncle m'a appelé. Il a dit qu'il m'a trouvé. Il dit qu'il t'a trouvé un boulot à une grande compagnie à Abuja. Et en plus, le salaire est très bon. C'est bon. Mais maman, pourquoi Abuja? Je ne veux plus travailler. Tu as dit quoi? Tu ne veux pas quoi? Et tu dis que tu n'es pas malade. Pourquoi tu dis pourquoi Abuja? Pourquoi pas Abuja?
Je préfère les gosses. Les gosses, c'est bon. Tu préfères les gosses. Les gosses, c'est bien. Mais c'est pas de sa faute. Parce que tu n'as pas précisé là où tu voulais travailler avant qu'il ne te cherche un boulot. Tu ne peux pas refuser ça. Tu dois l'accepter. C'est un bon boulot. Et tu es ici en train de dire que tu ne veux pas Abuja, tu veux les gosses. Arrête, oh. Ash. Je suis désolé pour tout. Je sais que ça ne peut pas venir comme ça, mais juste, s'il te plaît, je suis désolé. Peut-être ta copine avait raison. Je dois trouver un homme de mon âge. Elle n'est pas ma copine. Quoi, je pensais en me mêlant avec toi. Je suis toujours au troisième épisode. Ah ah! Tu es déjà à l'épisode 3? Ah ah! Et moi, je suis là. J'ai entendu que le septième épisode a toute l'action. Épisode 7! Je regarde ce gars, il est beau! Parlons des gars sexy, hein? Comment va ton chéri voisin? Donc, ton ego te limite de t'amuser avec lui? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis quelques moments. Je sais que tu l'adores vraiment. Ijoma, même si je l'aime, ça ne peut pas se passer. Ça ne va pas marcher. Ça, c'est la deuxième fois maintenant. J'espère que c'est pas ce que je pense. Qu'est-ce que tu penses? Je me sens pas bien. Ah. Attends, je vais te rappeler. Oui, allô? Salut, maman. Salut, mon fils. Comment ça va? Ça va, maman. D'accord. Comment tu t'installes? Comment va le travail, l'appartement? J'ai rien à dire. Je suis juste venu ici. D'accord. Ton oncle m'a dit que ton appartement et ton bureau sont proches. Ça, c'est très bien. J'ai la voiture. Je m'en fous si c'est l'un ou pas. Ah, pour moi, c'est préférable. Hmm? D'accord. Le bon Dieu va te protéger et te garder. Amen, maman. Tes ennemis ne vont pas te voir. Amen. Quand tu sors, tu es béni. Quand tu rentres, tu es béni. Amen. Le bon Dieu va être en garde pour te protéger. Amen. Et tu vois, ton boulot, le bon Dieu va te faire progresser. D'accord? Prends soin de toi. D'accord? Au revoir. Dieu merci. Oh, merci, mon Dieu. Vas-tu lui informer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'enlever? Je ne sais pas.
Si je savais, est-ce que je serais ici, confuse? Comment est-ce que je peux être enceinte pour quelqu'un de 23 ans? Les gens vont penser que je veux qu'il me marie. Pourquoi tu t'inquiètes de ce que les gens vont dire? C'est toi qui es enceinte pour lui. Donc, comment tu le pièges? Comment est-ce que sa vie est suspendue à cause de toi? Oui, tu dois parler avec lui. Parce que comment vas-tu savoir ce que tu vas faire? Tu n'es pas inconsidéré. Tu vas avoir un bébé. Appelle-lui. Il a toute sa vie devant lui. Il a des trucs qu'il veut faire avec sa vie. Ça va être comme si je suis égoïste. Tu vas avoir un bébé. Appelle-lui. Il faut l'appeler. Courage, courage. Tout ira bien. On est ensemble. As-tu mangé aujourd'hui? Tu pleures ici sans manger? Comme une tante fière, ma responsabilité est de prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu as dans la cuisine? Des nouilles. Les nouilles? Écoute. Écoute-moi attentivement. Tu peux être affamé, hein? Mais pas mon bébé. Laisse-moi chercher. Je sais que tu auras quelque chose à manger. La belle comme toi. C'est pas la fin du monde. Comment va la vie à Abuja? Non, Abuja n'est pas bon, Abuja n'est pas bon. Je préfère Lagos. Ah. Frère. Comment va ma mère, toi et tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Je vais te rappeler. J'ai du mal à connecter à Shaya et je voulais venir lui parler, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est comme s'il n'est pas là. Mena, qui est à la porte? Bonsoir, madame. Bonjour, chérie. Je vais bien, merci. Je m'appelle Ashley et je suis votre voisine. Tu veux entrer? Non, merci, madame. Oh, bonsoir. D'accord. Mon frère, quelle est la dernière fois que tu as parlé avec elle? Elle est enceinte. Est-ce que j'étais jamais enceinte? Tu penses que le bébé est le tien?
C'est pourquoi elle est venue ici il y a des mois. Elle a dit que ton numéro ne connaît pas. Elle est venue, elle est partie immédiatement. Je n'ai pas pensé que c'est nécessaire. Et toi, pourquoi t'as changé ton numéro? Quoi? Tu voulais enfanter sans me dire. Tu es parti sans me dire. Et tu as changé ton numéro. C'est parce que tu m'as poussé. Tu m'as dit que, mais on ne peut pas rester ensemble. Tu vois le travail à Abuja. J'ai allé au travail pour que je puisse t'oublier. Et c'était comment? Essayons de m'oublier. Je peux pas me concentrer. J'aurais dû te dire, mais le moment où j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà partie. Mais pourquoi? Pourquoi tu m'as poussée? Tu sais combien de fois je m'inquiète pour toi? Tu m'as trahi, Ash. Tu m'as trahi. J'étais confuse et j'avais peur. Ce que nous faisions, c'était pas normal. Et après ce que ton ami a dit, je croyais que c'est ce que tout le monde pensait. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de tout ça là. Mais qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que ta mère va dire? Elle dira que j'ai séduit un petit garçon dans mon lit et... Ma vie est misérable. Ah, tu m'as donné une bonne vie. Tu te souviens? Tu as amené la lumière dans ma vie. Tu m'as donné des expériences que je ne peux jamais voir dans la vie. Je t'aime beaucoup, Ash. Je t'aime. Je m'en fous de n'importe quoi les gens sont en train de dire. Je m'inquiète pour nous. Donc, s'il te plaît, Ash, je veux être le père de notre enfant. Maintenant quoi? Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Ashley, Shai ne va pas se marier maintenant. C'est pas possible. Il doit être stable financièrement et stable en général. On ne veut pas se marier maintenant. On veut juste être ensemble pour prendre soin de notre enfant. Bon, d'accord. Je vous souhaite bonne chance. Merci, merci beaucoup, madame. Surprise! Félicitations! Qu'est-ce que vous avez fait?
Je monte. Merci beaucoup à tous. Tega, salut. Oh, merci. C'est toi qui as organisé ça. Oui, mais Ijeoma et Mena m'ont aidé. Je pense que ça sera très bien pour inviter des amis pour célébrer avec toi. Merci, merci. Donc, à tous. Ashley, tu es la forte femme que je connais. Et merci d'être dans ma vie. Je ne peux pas attendre qu'on prenne soin de notre enfant ensemble. Je t'aime. Tout le monde, on doit célébrer ça. Donc, laisse-moi aller amener le champagne et les verres.